Bienvenue à toutes et à tous, mon nom est Dominique Antonin, je vais vous accompagner durant ces prochains jours en direct pratiquement de Sao Paulo au Brésil. Oui, nous sommes au Brésil pour la 43e édition des World Skills Competitions. Ça se veut quand même, mon nom est Dominique Antonin, mais va être un peu plus tard, un peu plus mais c'est en Sao Paulo, jawohl, en Brésil, et c'est pour la 43e Ausgabe pour World Skills Competitions. Mais que sont les World Skills Competitions? Dani, kannst du uns ein ganz kurz erklären, was geht es ganz genau hier? Ja, so World Skills, wenn ich es erklären muss, in der Verwandtschaft oder im Bekanntenkreis, sage ich immer, das ist eigentlich sozusagen die Olympiade der Berufe. Also es werden 50 verschiedene Berufe von 60 verschiedenen Nationen mitmachen und die messen sich. Und man hofft natürlich, dass wir Schweizer wieder mal gut werden abschneiden. Effectivement, on peut être un petit peu chauvin, puisqu'il y a effectivement beaucoup de nations qui sont représentées ici. Et le but, en fait, comme le disait Dani, c'est un petit peu les Jeux Olympiques des professions, des métiers. Et nous avons d'ailleurs un de ces candidats et candidates, et je n'ai pas aimé, c'est Raphaël. Raphaël qui est charpentier, tu peux Zimmermann, Raphaël. Dans quelques instants, ça va être l'ouverture. In ein paar Minuten wird es eröffnet, Eröffnungsspiel. Alors, comment est-ce qu'on se sent? Oui, à quelques instants d'une ouverture d'un championnat du monde dans ta profession. Ouais, on est assez stressé, mais pour moi c'est un bon stress parce que je me sens prêt et puis je vais tout donner pour ramener une médaille à la Suisse. Quoi comme médaille? Une médaille d'or. Ok, also dann gehört. Also es muss auch so sein. Er wird alles geben, er wird kämpfen, er wird unbedingt für die Schweiz eine Goldmedaille probieren zu gewinnen. Eine ist ganz speziell. C'est vrai qu'il y en a un petit peu spécial. Wer bist du? Der Steven, das bin ich. Okay, also der Steven. Der Steven hat einen ganz speziellen Job, das wird dich jetzt begleiten während des ganzen Wettkampfs. Sehe ich richtig? Du seras avec ta cloche durant toutes les compétitions. Genau, ich habe die Glocke für die Schweizer Mannschaft zu tragen. Ah, bist du gewählt worden? Ja. Okay. Donc en fait, il a été désigné comme étant celui qui représentait la Suisse au niveau musical avec la cloche. Teste, logisch. Teste, komm. Gib ein bisschen Gas. Je sais que David est très motivé, je sens que le lächeln bestätigt est bestätigé. C'est vrai que David, tu as l'air absolument prêt. Mais wie hast du dich noch vorbereitet? Weil, wie gesagt, es geht bald los. Genau, wir haben uns jetzt hier in Sao Paulo im Pre-Camp noch sehr vorbereitet, akklimatisiert und auch mit dem Klima, mit dem Essen, dass wir hier möglichst schnell reinkommen. Gestern haben wir die Besichtigung in der Halle, haben alles können anschauen und jetzt heisst es noch ein bisschen mental trainieren und morgen dann voll in die Wettkämpfe starten. Exactement, donc le mental, extrêmement important, l'esprit d'équipe, extrêmement important. Ils sont également allés voir où c'est qu'ils vont être à l'œuvre durant ces compétitions. Je vous rappelle, ce sont les championnats du monde des métiers. Suisse ist ja die beste Nation aus Europa anbelangt. C'est vrai que la Suisse est classée deuxième à Leipzig en 2013, la meilleure nation européenne. Was ist das Ziel und wie ist der Druck? Gross. Ja, der Druck ist sehr gross und wir hoffen natürlich, dass wir das halten können, wenn nicht noch besser werden. Okay, besser werden ist? Ja, erste Woche. Eine ganz tolle Stimmung. Wir sind ja 2 Minuten vor Eröffnungsfeier hier in der World Skills Competition in Sao Paulo. Dans quelques instants, ça va être le début des cérémonies d'ouverture de ces championnats du monde des métiers. Switzerland! Am Ende vom ersten Tag hier in Sao Paulo, nach dem Eröffnungsfeier, jetzt gilt es ernst, weil alle diese Berufe werden morgen anfangen mit ihrer Competition. Das ist ja logisch, das ist World Skills Competition in Sao Paulo. C'est tout pour cette première journée avec la cérémonie d'ouverture. Maintenant, les choses sérieuses commencent avec les différentes compétitions.